Tout le monde, les aventures d'un Québécois cet été se retrouvent sur la route. Avant de prendre le départ, je vais vous présenter des endroits de ma ville d'adoption, Saint-Hyacinthe. Je vais commencer entre autres par vous présenter le marché public au centre-ville. Imaginez-vous, au début, on a construit seulement un hall de bois vers 1830 au coût de 15 $. Au fil des années, les gens viennent, alors on sent le besoin d'agrandir. Vers 1856, on décide d'ériger une bâtisse en briques beaucoup plus solide qu'un simple hall de bois. Malheureusement, en 1876, un incendie va raser le marché. Un an plus tard, vers 1877, la ville décide de reconstruire le marché. Et c'est encore ce marché qu'on peut voir au centre-ville à Saint-Hyacinthe. Bien sûr, tout autour du marché, on peut retrouver des cultivateurs qui viennent vendre leurs récoltes, mais également à l'intérieur du marché, il y a quelques commerçants, entre autres une fromagerie, une charcuterie, une poissonnerie, et au deuxième étage, une galerie d'art du nom de l'Expression. Alors, le marché public est un endroit idéal pour venir faire des courses ou tout simplement venir flâner. Alors, merci, on se revoit bientôt pour une autre capsule des aventures d'un Québécois sur la route.